Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau haul. Donc c'est un haul mode accessoires, birdie, mes vêtements. Birdie elle est sur mes vêtements, genre tranquille hein. Donc là il y a le soleil qui fait un peu, voilà. Donc j'ai reçu une petite carte cadeau de Camaïeu d'une valeur de 50€. Donc j'ai pu me faire plaisir dans leur magasin pendant les soldes. J'ai pas mal trouvé des choses sur internet, en magasin je trouvais un peu moins de choses. Mais ça c'est mon habitude hein. En magasin je trouve jamais rien. Je préfère faire mon shopping sur internet, en plus avec Igral bah, j'ai des sous qui viennent sur ma cagnotte. C'était 5%, un truc comme ça qui était sur ma cagnotte, donc c'est pas mal. Donc j'ai des articles de chez Camaïeu, de chez Beauté Privée et de chez AliExpress à vous montrer, donc c'est parti. Alors tout d'abord chez Camaïeu, je me suis pris cette magnifique chemise, je vous mettrai une insertion bien évidemment. Elle est magnifique, elle est toute douce comme j'aime, genre c'est pas du tout le genre de chemise qui est rigide etc. Elle est très souple, elle est très fluide et j'aime beaucoup, ça fait un joli décolleté. Moi qui ai une toute petite poitrine, et ben les décolletés en V ben ça fait plus joli. Et je trouve que cette blouse ça fait femme, ça se trouve vraiment trop belle. Les motifs ils sont trop mignons avec des petits éventails, enfin je sais pas comment vous montrer ça. Ils sont vraiment, la chemise elle est trop belle. Genre moi dans toutes mes chemises quasiment, quand je fais ça je suis étriquée. Je suis étriquée et là c'est fluide en fait, c'est bien, c'est ma taille, c'est comme j'aime. Donc les prix je ne sais plus du tout, j'essaierai de vous les mettre en barre d'infos les liens. Mais c'était soldé à moins 30 voire moins 40%, j'ai pas payé ça grand cher vraiment. C'est 22,99€, donc j'ai dû payer ça une dizaine d'euros pour une belle chemise comme ça, j'aime beaucoup. Donc voilà pour cette première petite blouse. Ensuite je me suis pris une veste, c'est une veste qui coûte 50€, j'ai dû la payer moins 50% à 25€ il me semblait. Donc c'est une veste, elle est super jolie, comment ça s'appelle, pied de poule, non pas pied de poule, Vichy, non je sais pas, un mélange des deux. Enfin vous voyez un peu la veste, le style de veste, elle est très jolie, elle est pas blanche et noire, elle est crème et noire, elle est vraiment très belle. Donc j'ai pris à chaque fois une taille 38, une taille M. Elle est très jolie, elle arrive mi-cuisse, donc c'est une très longue veste. Elle est trop belle, elle est très agréable à porter. Après c'est pas une veste manteau, c'est vraiment une veste que tu mets en dessous d'un manteau, un manteau noir, un manteau jaune. Donc vraiment trop jolie. Ça c'est vraiment un indispensable, je trouve, un vêtement intemporel. Tu peux mettre ça avec tout, avec un jean, basket, escarpin, peu importe. C'est une veste qui est vraiment très jolie, qu'on voit un peu partout sur Instagram. Elle est transparente hein, mon cœur, regarde. Je vais pas mettre de soutif. Donc c'est une petite blouse, donc ça je l'ai pas encore essayé. Une blouse de base 27,99€, elle m'a coûté aussi une dizaine d'euros. En tout pour tout ça j'en ai eu pour 50€. Et donc je sais pas comment vous montrer, mais elle a des coutures assez brillantes, c'est super joli. Je sais pas si vous allez voir à la caméra, je pense pas, mais ça a des coutures un peu brillantes. Le motif est trop mignon, enfin je le trouve assez simplet et super joli. Et j'adore la manche, je la trouve magnifique. Donc j'aime beaucoup avec le petit bouton, voilà, toujours ce décolleté en V avec le petit bouton là pour fermer. Ça on met un joli soutien-gorge blanc, je pense. Ou pas de soutif hein. Wow. J'aime bien les articles qui viennent de chez Camaïeu parce que c'est des articles, des beaux articles, des beaux vêtements qui durent dans le temps. C'est pas des vêtements voilà, que j'achète chez Jennifer et qui me durent un an ou deux et après ça se déforme. Je sais que ça c'est de la bonne qualité, c'est du bon tissu, c'est une bonne coupe, donc ça j'aime beaucoup. Et ensuite pour aller avec ces deux chemises, hein, même ça peut aller avec un peu avec tout en fait, j'ai pris un short et je trouvais que la coupe était vraiment très jolie. Comme ceci la couleur est trop belle, je n'ai pas de short de cette couleur là. Ce que j'aime bien avec ce short c'est qu'il n'est pas ras des fesses, il est vraiment très bien. Enfin moi j'aime pas les shorts qui on voit toute ta culotte, ou sinon quand tu t'assois bah en fait tes fesses elles touchent la chaise. Moi j'aime bien quand il y a un tissu quand même qui recouvre ça. Donc très joli et c'est avec des petits carreaux roses, donc il y a une couture rose. Ça c'est un peu effet rouille, c'est vraiment très joli, ça me fait penser vous savez aux vieux pantalons de nos grands-pères et tout. Et au final bah, ça revient vachement à la mode. Et vous avez une ceinture qui va avec, donc je vais vous montrer tout ça en insertion, de toute façon je pense que vous allez le voir en insertion. Avec la chemise ça va faire super joli, ça va bien ressortir les motifs. Il est vraiment trop joli avec des petites bottes, des baskets, des collants et tout. Franchement, j'adore. Donc voilà, pour ça, ça faisait 50€ en tout. Je trouve pour des beaux vêtements comme ça qui vont durer dans le temps, des basiques entre guillemets, je trouve que ça vaut le coup.
Donc voilà, les soldes de chez Camailleux sont vachement avantageux, ils font des bonnes remises je trouve. Moi j'ai trouvé pas mal de choses et j'avais tout mis à mon panier, après je regarde un peu ce que j'ai hâte et ce que j'ai pas. J'en avais pour je crois 200 € de vêtements et j'ai enlevé pour arriver à 50 €, mais ils font vraiment de super belles choses. Donc trop contente, merci beaucoup pour la carte cadeau. La dernière fois j'étais vraiment pas déçue, j'avais acheté aussi des vêtements et un sac aussi, mon sac jaune que vous voyez tout le temps avec... Mon manteau marron là, mon petit sac jaune que j'utilise tout le temps, il est trop trop beau, enfin voilà, Camailleux c'est une très bonne marque et je suis vraiment pas déçue. Ensuite pour AliExpress je me suis acheté des chouchous. Alors ça en fait c'est parce qu'il y a un monsieur qui m'a contacté pour collaborer avec moi, pour m'envoyer des articles, enfin des accessoires de cheveux, et je les ai trouvés vraiment beaux, et je me suis dit, c'est bizarre, ça sent le dropshipping, tu vois. Et je suis allée sur AliExpress, et je les ai vus sur AliExpress, donc j'en ai profité pour faire une commande, parce que je les aimais bien, ça coûtait pas cher. Donc j'ai pris pas mal de petits chouchous comme ça, en velours, donc un beige, un vert sapin, je peux essayer de voir, un vert sapin, un bleu foncé, un moutarde avec des petites paillettes, un rose orangé, un kaki et un autre rose. Et tout ça, ah oui il y a aussi un autre bleu, mais ça a craqué l'élastique, mais j'arrive quand même à le mettre. Et en gros tout ça, ça m'a coûté genre 2 €, alors que ça, un lot de 3 à pink, ça coûte 5 €. Ah ça me fatigue. Donc je vais pas pouvoir mettre les liens en barre d'infos de ces articles là à AliExpress, parce que si je vous mets un autre lien, je suis sûre que sur AliExpress il y a un autre revendeur de ça qui va coûter beaucoup moins cher. Donc allez voir sur AliExpress, mettez chouchou en velours, vous allez trouver une panoplie de chouchou en velours. Donc n'hésitez pas à les regarder. Et aussi il m'a proposé d'envoyer des barrettes. Donc moi j'ai regardé sur AliExpress et j'ai vu ces barrettes là. Donc cette barrette là vient de chez AliExpress. Donc j'ai pris un lot en fait sur AliExpress. Donc c'est des petites barrettes comme ça. Elles sont très bien franchement pour... Elles sont pas hyper quali mais elles sont très très bien aussi, des barrettes. Et une autre barrette comme ceci. Ouais, trop 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 jolie. Et il me proposait aussi d'envoyer des chouchous avec des perles. Je les ai vus sur AliExpress. Eh bien écoutez, j'en ai acheté sur AliExpress. Donc ça c'était genre 20 ou 30 centimes ce chouchou là. C'est très très bien, il est très bien. Et il y a ce chouchou là que j'ai pas encore testé avec des petites perles. Donc voilà, je trouvais ça assez mignon et ça a pas coûté grand cher. Je crois que pour tout ça j'en ai pour 4 €. Ça fait le prix d'un article dans sa boutique. Donc voilà, je me suis fait plaisir et je suis contente. Enfin, j'aime bien moi les petites barrettes comme ça. C'est mignon. Ah! Beauté privée. Alors à beauté privée, j'ai acheté pas mal de choses pour mes cheveux, puisque comme vous le savez, hein, mes cheveux ont subi une catastrophe capillaire. Donc tous les deux jours, je fais un masque à la coco, celui que je vous montre toujours dans mes vlogs. Je me remplis, je me badigeonne de masque à la coco et je trouve que ça va beaucoup mieux et tout. Et j'utilise aussi les produits chez Airburst, donc le shampoing et l'après-shampoing, et je trouve que mes cheveux ont vachement... vachement amélioré en fait. La qualité est beaucoup mieux, je me gratte plus du tout le cuir chevelu, mes cheveux sont beaucoup plus doux, enfin c'est vraiment très très bien. De toute façon je vous en parlerai dans une vidéo dédiée pour ça. J'attends encore quelques deux semaines encore pour vous faire la vidéo, pour vraiment avoir le résultat avant après. Et voilà, donc bref, sur beauté privée je me suis acheté pas mal de petites huiles. Donc j'en ai pas eu pour cher, hein, bien évidemment, beauté privée ça coûte pas cher. Et j'ai mon lien de parrainage que je vous mets toujours en barre d'infos. Dès que vous inscrivez avec ce lien vous avez 5 € de remise je crois. N'hésitez pas, ça coûte pas cher, là-bas c'est la caverne d'Ali Baba, vraiment on se trouve toujours des bonnes choses, ils font du bio, du luxe, des produits Kérastase, les trucs qui coûtent la blinde là, les trucs L'Oréal etc, les shampoings et tout, j'achète tout là-bas moi, tout là-bas, mes bougies en Kikondel j'achète là-bas, donc n'hésitez pas à aller regarder. Donc j'ai pris pas mal de petites huiles, donc j'ai pris l'huile de jojoba, l'huile de ricin, l'huile d'amande douce. Donc c'est des huiles en spray et j'aime beaucoup moi les huiles en spray, je trouve que c'est beaucoup plus simple pour appliquer. Donc voilà, j'ai pris ces trois huiles là. Donc l'huile de ricin, ça apporte beauté et bien-être à votre corps et vos cheveux. L'huile d'amande douce, c'est pour ses propriétés adoucissantes et nourrissantes. Et l'huile de jojoba est réputée pour être régénérante, protectrice et apaisante. Donc voilà. Ah ça y est, le soleil se cache. Enfin. Donc voilà, c'est très très bien comme huile. Donc voilà, j'ai pris ça. Ah, il y en a encore une autre de l'huile. J'ai pris l'huile de karité. Donc ça, c'est pour embellir et protéger contre les agressions extérieures, adoucir la peau irritée et revitaliser les cheveux. Pour en redonner de l'éclat. Donc voilà, j'ai pris ça. J'ai pris ensuite de la marque Organicare. C'est la même marque que j'utilise pour le masque à la coco. Et aussi pour le shampoing. Le shampoing à l'huile de ricin est tellement bien. Il est tellement pas cher aussi. Je sais pas si je l'ai pris. Je l'ai pris aussi. Voilà. Donc j'ai pris ce masque là. C'est un masque hydratation et réparation. Donc c'est quand même un gros volume. Hein. Je pensais pas. 500 ml. Il est quand même assez gros. Oh, il sent super bon. Oh la vache!
Bébé, ça sent archi bon. Quoi? À l'huile de macadamia, contre la casse des cheveux, maintient le taux d'hydratation dans la cuticule du cheveu, restaure les cheveux fatigués, améliore leur force, restaure l'équilibre naturel. Bah putain, si tu sais faire tout ça, mon gars. Ça va être mon meilleur ami, lui. J'ai pris ensuite le shampoing. Donc ça, en fait, j'avais reçu en échantillon dans une de mes commandes de chez Beauté Privée. Et j'ai adoré. J'ai trouvé mes cheveux hyper doux. Vraiment trop trop doux. Donc ça, c'est un shampoing à l'huile de ricin. Donc ça permet d'accélérer la croissance des cheveux, d'hydrater les cheveux. Il y a de la vitamine E, de l'huile d'argan, de l'huile de ricin pour lutter contre les brèches et la casse des cheveux, généralement sec et abîmé. Ouais, en gros, ça permet de pousser les cheveux. Bon, ça, j'y crois pas trop, hein, l'huile de ricin qui pousse les cheveux. Il est très bien. Je suis très contente de celui-là. J'en ai pris. Voilà. Ah, je pensais pas que c'était aussi gros. J'ai pris le soin Botox. Alors je sais pas si c'est vraiment le même soin qu'il y a dans les salons de coiffure. Mais moi j'ai fait ce soin là Botox dans mon salon de coiffure qui m'a loupé. Ça coûtait 25 balles. Ça m'a coûté 10 balles. Donc Botox, kératine, lisse, masque réparateur. Donc j'espère que c'est ça, hein, le soin Botox. Oui, formule anti-âge, la kératine lisse. Remplit les couches des cuticules du cheveu en les restructurant, en lui donnant volume, finesse et luminosité. Il favorise et renforce la protection du cheveu et du cuir chevelu contre toutes les agressions extérieures. En salon de coiffure, ça coûte une blinde et là ça m'a coûté 10 balles et j'en ai 500 ml. Donc ça, j'ai trop hâte de tester et vous dire mon avis là-dessus. Et ensuite, j'ai pris le Air Gum Gum. C'est un complément alimentaire qui dure 30 jours. Donc ça, j'utilise déjà un complément alimentaire de la marque Airburst. Donc c'est les bonbons à manger. Franchement, c'est pas dégueulasse et je trouve que, enfin, je sais pas, vous allez voir ça dans l'avant-après. Je trouve que mes cheveux ont un peu poussé quand même. Ils sont un peu plus jolis. Donc après, je pense que c'est pas sur 30 jours que je vais bien voir les effets. Je pense que c'est plus sur 2-3 mois. Mais donc, j'en ai pris un autre en fait. J'en ai acheté un sur Beauté Privée de la marque Monsieur J. Alors je sais pas s'ils font sans gélatine de porc ou je sais pas quoi. Ah non, non, pas de gluten, pas de gélatine, pas de digiti, je sais pas ce que c'est. Il est vegan en tout cas. Recette naturelle. De gomme à consommer par jour. Ouais, c'est pareil que Airburst. Donc ça, dès que j'ai fini le Airburst, bah je reprendrai ça. Comme ça, ça va faire la continuité. Et voilà, je suis trop contente de mes achats. Voilà. Ouais, je vais pouvoir jeter tous les emballages. Au moins ça sera fait. Ça va désencombrer mon salon. Donc bah voilà pour cette vidéo, mais ça, j'ai trop hâte de tester le soin Botox. Je trouve que ouais, ça va être pas mal, de la marque Laura Beauté. Donc bah voilà pour cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas et à vous abonner à ma chaîne juste là. Si ce n'est toujours pas fait, je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye.